On ira peut-être faire un clin d'œil à Spice et bien sûr Yemi Alade. Bonjour les gars. Bonjour. Je vous appelle comment? Denis. Denis, vous avez un micro. Denis. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, nous faisons l'exposition de fruits, c'est-à-dire la sculpture sur fruits. D'accord. Et quelle est ta spécialité, toi? Ma spécialité, c'est la sculpture sur fruits. D'accord. Et juste à côté, comment je vous appelle? Tu prends le micro, hein? Donc c'est ce matin, on commence comme ça, différemment. Je C'est vous appelle juste. comment? Justin, d'accord? Et quelle est votre spécialité? Est-ce que vous savez, vous sculptez tout ou c'est uniquement l'ananas ou les raisins? Comment? Pastèque, d'accord. D'accord. Et vous? Moi, c'est Ronald. Oui. Et ma spécialité, c'est sur la sculpture sur pastèque et le grissage. Et le graissage, c'est hyper important hein, parce que parfois, quand on arrive dans les événements, c'est tout un quartier, je me permets de dire quartier, parce qu'on voit une belle variété des fruits et c'est hyper agréable aux yeux d'abord, avant de parler du goût. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Super. Ma spécialité, c'est sur les oranges, pastèques, plus simple. Et vous les transformez, comment on peut transformer une orange? Si on peut transformer une orange, vous pouvez transformer D'accord, on va découvrir, hein, parce qu'on ne perd rien à découvrir, surtout à apprécier. Quand c'est bon, c'est vraiment bon. Et dans cette magnifique équipe, il y a une dame, une charmante dame qui est juste là. Bonjour. Je vous appelle comment? Ornella. Et quelle est ta spécialité? Ah, uniquement. C'est toute une école, hein, dont on ne se lève pas un matin comme ça pour sculpter un fruit ou alors graisser. C'est important d'apprendre parce que ça pourra nous aider également dans tous nos différents événements. Avant de vous proposer le menu, on va danser un tout petit peu avec Yemi Alade et Spice, le tigre, c'est Bubble. C'est sorti seulement, il y a seulement 2 jours. On regarde, on apprécie. Super sexy, ces filles. Yemi, I'm Spice from a queen to a queen. Jamaica to Africa. Watch me wobble it like a ball, me a juggle it. Every man want fi cuddle it, so me jiggle it, juggle it. It's no big and a puddle it, so me couple it, double it. Muscle it when you trouble it, drop it, desk up. Flap it, load it, echo. Stuffy like marshmallow, add it to queen's desk up. This a no waffle, no ego, body no soft like jello. Girl, you fi wine with your hand and your needle, leg up. What like a yoga, so me bubble like a can of soda. Look how me hotter than a cup of cappuccino mocha. I saw me sit down and a wine like me deep and a sofa. While up me bumper spinning round it like a roller. Sweet like sugar, sweet like sugar, sweet like sweet like sweet like sugar, sweet like sugar, sweet like sugar, sweet like sweet like sweet like sugar. Couple of couple of mimi, couple of couple of couple of couple of mimi, couple of couple of couple of couple of mimi, couple of couple of yes, line. Bubble it, wiggle it, wiggle it, bubble it, if you wanna wiggle, wiggle, wiggle it, bubble it, wiggle it, wiggle it, wiggle it, bubble it, if you wanna wiggle, wiggle, wiggle it. Where the girl done me? Take your waist to the ground and your hands on your back. Wiggle it around, give a man a heart attack. Bring it up slow, bend down low. Cocky, cocky, tap some more. Wiggle, wiggle on the floor. When we link up, pizza, stick up. Better get my freak on, let me get my lick up. Annabella, get on your feet and shake your bum, bum, bum. That's your waistline. Break it like a thumb, thumb, thumb. You can put on the bikini instrumental beat. Running through your speakers like I'm looking for a feast. With your eyes like, whoa, back to the bone. Is a stampede when they pull up on the scene. Got me sweet like sugar, 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 sweet like sugar. Bubble it, wiggle it, wiggle it, bubble it, we wanna wiggle.
de retour. On espère que vous avez kiffé. Alors là, grave, on espère. Yemi, Alade et Spice, elles ont choisi d'offrir un rythme assez crèche, assez piquant. En fait, c'était pour piquer votre début de semaine parce que quand elle est piquante, c'est sûr qu'on obtient un magnifique résultat à la fin. Donc, bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs. Le contenu, il est habituel. Hein. On va rien changer, mais on va juste peut-être apporter quelques rajouts histoire d'apprendre un tout petit peu. On aura sa pique avec le commandant de la brigade anti-stress qui est bien installé. On aura l'actualité du jour parce qu'il est important de s'informer au quotidien. Et bien sûr qu'on aura la journée mondiale du jour, sans oublier toutes ces personnes qui nous font confiance et qui viendront sur ce magnifique plateau pour échanger avec vous et avec nous. Alors ce matin, je dis bonjour à Harley Air qui m'a coiffée. Merci pour cette magnifique coiffure. Et je salue également Mati Maude pour cette magnifique tenue. Il est juste à côté. On l'appelle Pinto l'Ivoirien. Bonjour. Ah, monsieur le maroyer. Voilà, c'est ton histoire. Ton fiancé te dit, ta fiancée t'a dit qu'elle est homme d'affaires. Oui, oui, oui. Ou tu as menti à ta fiancée. Non, je n'ai jamais menti, mais j'aime les femmes me mentir régulièrement au quotidien. Je suis fier parce que tu sais, quand on te dit, elle est fille, elle dit que moi aussi, seule, après tu découvres qu'elle vit avec quelqu'un d'autre. Et j'aime, c'est déjà les relations. Parce que c'est moi qui devais maintenant mener les femmes. Parce que quand une femme dit que je suis seule, après tu découvres qu'elle est avec quelqu'un d'autre, c'est bien. Là, tu gagnes, là, tu ne sponsorises pas. Tu profites seulement. Un profiteur. Oui. D'accord. Je suis un profiteur. Moi, j'aime être qu'une fille te trompe. Les hommes sont même bêtes. Une femme te dit que je suis seule. Après, tu te découvres qu'elle vit avec quelqu'un. Mais c'est bien. Tu ne dépenses plus rien. Tu ne dépenses plus d'accord. Rien. Qu'est-ce qui va nous piquer? Ce qui va piquer ce matin, c'est ces femmes. Une femme qui arrête son mari le matin, bonheur, qui doit augmenter la ration. Pourquoi? On a augmenté son salaire, mais il ne doit pas augmenter aussi la ration. Non! Ça n'a rien à y voir. Le bureau, c'est le bureau. La maison, c'est la maison. D'accord, c'est noté. Hein, donc, on prend des notes. Et si vous avez vécu la même situation, appelez-nous et partagez avec nous votre témoignage afin de sauver quelqu'un qui vit cette situation ou qui est tenté de vivre cette situation. On a choisi de vous offrir également la pureté parce que le blanc, c'est la pureté. C'est tout ce qu'il y a de top, tout ce qu'il y a de divin, tout ce qu'il y a de soft également. Et ce matin, elle est encore plus jolie que jamais, hein, comme d'hab, mais ce matin, encore plus jolie, on l'appelle Merveille. Béni ma maman. Je voulais commencer ma semaine, c'est-à-dire que moi j'avais prévu whiteiser là maintenant. C'est ce que j'avais prévu. Mais la chanson que tu commences à me sortir, que oh, béni mon mari. Ya, yeah, béni mon mari. Même mon fiancé, là, c'est bien pour elle. Parce que là, certainement, les fiancés qui lui disent des choses pas vraies. Voilà! C'est pas grave, il y a des jours comme ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un début de semaine et nous sommes très heureux. Comme Dorette l'a si bien dit, on a voulu avoir une touche blanche sur nos tenues pour marquer la pureté, pour marquer l'envol, la sérénité, l'élévation dans la vie de Dorette. Parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. En tout cas, c'était hier, mais on a choisi de le célébrer à l'antenne aujourd'hui. Et on va simplement dire que c'est une reine qui est donc née ce jour. Et justement, comme je le disais, reine du septentrion, reine de l'Ouest, mais surtout reine du Cameroun de par son grand cœur, de par son esprit rassembleur. En tout cas, c'est tout à l'heure qu'on va en parler. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale,
On va dire que c'est la journée mondiale du parler pirate. Beaucoup de personnes penseront que c'est de la piraterie, des CD, comme on a l'habitude de voir dans notre société ici au Cameroun ou bien en Afrique. Oh, qu'il ne s'agit pas réellement de cela. Tout à l'heure, on saura exactement ce qu'on entend par journée internationale du parler pirate. Merci beaucoup, Merveille. C'est vrai que moi, je n'aime pas être en avant. Je préfère le faire pour les autres. C'est tout. On se sent toujours bien quand on le fait pour les autres. Mais quand on est en avant, ça fait bizarre. Hein? Ah. Et moi, dans une fête, par exemple, quand j'arrive, c'est impossible pour moi de danser si tout le monde n'est pas debout. J'aime danser quand c'est serré. Donc, quand je vois quelqu'un arriver, quand il n'y a personne, voilà, je me cache un tout petit peu. Et la journée mondiale de ce jour me fait penser à l'art musical du côté des différents pôles artistiques au ministère des Arts et de la Culture. Donc, lors de la rencontre culturelle et artistique initiée par le ministre des Arts et de la Culture, il a pu mettre plusieurs pôles. C'était pour échanger ensemble et voir comment améliorer leurs conditions, les conditions des différents pôles. Mais au niveau de l'art musical, ils ne comprennent rien, ils ne veulent rien entendre en dehors de leurs droits d'auteur. On leur dit non, ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur. Donc si tu parles de pirates là, ils vont te dire que non, ça c'est le piratage de nos albums. Un big up à tous les artistes qui nous regardent en ce moment. Monsieur Toudi est en mode super responsable ce matin. On ne sait pas s'il ira demander en mariage une charmante dame. En tout cas, il nous le dira. On l'appelle affectueusement David Clément Ondobo. David Clément, une belle douceur pour une belle semaine. En tout cas, je vous souhaite cela, une semaine remplie de douceur et de belles choses pour vous, encore appelée semaine sainte pour les fonctionnaires. En tout cas, nous espérons que vous allez bien commencer et bien finir cette semaine qui s'annonce plutôt belle. Un joyeux anniversaire très particulier à deux personnes que nous affectionnons. Ce matin, nous pensons à la ravissante, sublimissime ou bien la gracieuse et douce Dorette. Ou encore, on pense à Monsieur Thierry Camteau qui lui également souffle sur une bougie de plus ce jour. Bien des choses à vous que l'Éternel, dans son amour et dans sa grandeur, pense toujours à vous élever aussi haut qu'est le ciel. Merci beaucoup. Ils sont nombreux à avoir eu un nom de plus. Hein. On pourra citer les noms tout à l'heure. Je pense à Nancy, je pense à Joyce Natal, Thierry Camto et à Jean-Marc également. Il y a tellement de noms dont on pourra les aligner. Oui, la conscience. Pardon. Les pères avaient fait fort. Comment les enfants? Ça se justifie, vous, le froid. Ça justifie le froid. C'est vrai que nous sommes nés. Ceux qui sont nés en septembre, voilà, c'est pas en septembre qu'on les a conçus. Oui, on les a conçus. Neuf mois avant. Non, sauf que les pères s'étaient entendus. On espère que ce n'est pas le même père, en tout cas. Non. Nous sommes des régions différentes. Il y a ceux qui sont du centre, de l'ouest, de Bassa et tout. Bamenda et tout. Moi, je suis d'accord avec Merveille parce qu'il y a beaucoup de parents, des enfants qui ont les mêmes parents. Ton père pouvait parler à un deuil d'un non, village. Non, c'est pas possible. Il passe par là-bas. Non, n'est-ce pas, c'est pas possible. Parce que on ressemble tous à notre papa. Il ne faut jamais faire état d'ADN. C'est que les gens vont se retrouver dans beaucoup de villages et que les parents sont à l'est et tout. Moi, tu connais. On connaît, il ne faut même pas qu'on va ça. Même quand on Moi, je suis à la recherche de mes grands frères Pelin. J'ai une grande soeur et un grand frère Pelin. Super beau. On dit que les femmes peuvent coûter cher, c'est vrai, que pour épouser, déjà on dit que les peules se marient entre eux. Oui. Maintenant, on dit si tu n'es pas peule et que tu veux épouser une femme peule, ça coûte du diamant et de l'or. Donc c'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un de très. Je sais, en fait, j'aurai la chance d'aller au chevet des sinistrés, de l'inondation, des pluies dans mon village à Menganga. C'est pour le 30
le 30 septembre et le 1er octobre, mm-hmm. dont ils ont perdu leur maison parce que là-bas, les pluies sont tellement violentes. Je ne sais pas si ça cause la région. Ça arrache les toitures, ça détruit les maisons. Mais les peuls là-bas sont des gens très fermés. Hein. En ville, Yaoundé, c'est tout autre chose. Là-bas, plusieurs vivent dans les huttes, dans les villages reculés là. Donc, je me dis qu'ils ont leur façon à eux de vivre et que peut-être celles qui sont instruites, mais chez les musulmans, c'est qu'on a vu Abou, il faut d'abord t'islamiser et peut-être il y aura une possibilité, mais je ne pense pas que financièrement, il faut beaucoup débourser. Par contre, chez nos sœurs du centre, il faut beaucoup débourser. À l'ouest, c'est juste des contributions comme ça. Justement, parlant des filles, des personnes peules, en tout cas, nous rappelons qu'aujourd'hui, le président de la République, par rapport à cet événement tragique qui s'est passé de ce côté, on parle d'une inondation et tout, et des pluies diluviennes qui ont arraché pratiquement des toits. On a le président de la République, enfin le couple présidentiel, qui a dépêché comme ça le ministre d'administration territoriale pour aller réconforter et surtout rassurer les populations de ce côté avec des prisons. On parle là des prisons qui vont permettre à ces personnes de vivre décemment pour une bonne période en attendant que d'autres mesures soient prises. La question de permettre qu'ils oublient rapidement ou bien avec beaucoup de calme cette période difficile. En tout cas, nous reviendrons dessus dans le cadre de l'information aujourd'hui. Justement, on en a même parlé la semaine dernière. On a vu le pont qui a été reposé pour permettre aux différents élèves de traverser pour aller dans leurs différents établissements. C'est une période triste pour plusieurs localités. On a Obala. Donc, merci déjà également qui est touché dans ciel pour cette main qu'ils ont sur le cœur. Et on salue également la dynamique du Mbéré, tous les enfants qui sont nés dans le Mbéré ou à Menganga de se déporter de ce côté pour venir en aide à ces sinistrés à cause des pluies. Donc on espère qu'on pourra leur apporter du reconfort. Mais Pinto l'Ivoirien a choisi de nous piquer dans un autre sens. Mais on va se tourner vers l'herbe de Tuisson pour savoir si son week-end a été. Bonjour l'herbe. Bonjour à nos millions. Mon week-end s'est très bien passé. Déjà, joyeux anniversaire à toi, Dorette. Joyeux anniversaire à M. Thierry Camteau. Je veux aussi souhaiter un joyeux anniversaire à la petite Abigail qui a eu un an de plus samedi. C'était du côté de Oja. D'accord, Abigail, elle s'appelle. Oui. Donc, tout à l'heure, dans la séquence anniversaire, on va souhaiter Happy Birthday à vous. Allez chanter ça alors, hein. Vous allez chanter. Joyeux anniversaire, Dorette, Thierry, Kanto, Abigail, Tantan, Nancy, Joy. Donc, vous allez chanter. Donc, si vous êtes un fidèle téléspectateur et que vous avez un an de plus, faites-nous parvenir un message. On connaît seulement Dorette et Thierry Kanto. Le reste, là, c'est après l'émission. Voilà. Pinto d'Ivoirien, qu'est-ce qui nous pique? Ce qui pique, c'est Martin, c'est Madame Tchatchouan Viercru. Madame Tchatchouan Viercru. Qui a séquestré son mari ce matin. Je sais parce que son mari n'a pas augmenté la ration alimentaire de la maison. Le monsieur a eu la chance le mois dernier qu'on a augmenté son salaire. Mais il n'est pas venu déclarer à la maison. C'est dans un commentaire hier. À la maison avec ses amis, il dit, gars, toi tu es bien, on a augmenté ton salaire. La dame dit ce matin que il faut aussi qu'on augmente le salaire alimentaire, donc la ration alimentaire à la maison. Moi je trouve que cette dame là, c'est les palabres qu'elle cherche. Si on augmente le salaire de ton mari, il ne doit pas augmenter la ration. S'il rationnait 3 000, c'est toujours 3 000. Même si on augmentait son salaire qui quitte de 350 000 à 1 million, il est 3 000 francs. Parce que avec 3 000, disons que nous on veut manger, nous sommes croix. On veut manger. Qu'est-ce qu'on veut manger pour ce midi? Pinto, ils vont manger. Bas. Les bas. Oui, les bas. Oui, les bas, les snacks. S'il te plaît. Mais tu m'as demandé. Non. Crois, mine ne fera c'est même pas un kilo. Ok, oui. Bon. Avec 3 000, ce qu'on peut manger. Oui, avec 3 000. Très, très sincèrement, c'est peut-être du riz. Et pas le bon riz en plus. Hein. Oui. Du riz avec une sauce tomate et les morues. Voilà. C'est-à-dire la morue même de 500. Mm-hmm. La sauce tomate et le riz, c'est tout. Pas la vraie morue dans la morue. Les morues, les petits. Ce que vous dites là, c'est les femmes qui ont le gros cœur. Sans tes rations, 3 000 francs, tu peux pas faire une bonne cuisine. Vas-y, non, avec 3 000 francs, tu peux faire. Peut-être, avec 3 000 mais c'est francs, pas évident. Tu fais une très bonne cuisine. Non, c'est pas possible. Pour combien de personnes? Je vous réponds. Vous achetez la banane malaxée, c'est pas possible. Vous achetez la banane malaxée, on vend le tas de banane malaxée. La banane malaxée, 1500. Je vous dis bien, je fais le marché. On franchit 500 le tas de banane malaxée. Vous achetez 3 tas à 1500 francs. Vous achetez les arachides de 500 francs. Il vous reste maintenant,
il vous reste 1000 francs. D'accord, 1000 francs. Non, continuons. Hmm? C'est 150 la tasse. La tasse. Trop d'argent de vous faire. C'est trop beaucoup pour la banane malade. Ça fait 2000. Oui. Ensuite. Et les 1000 francs qui restent. C'est le bouillon. De non, continue. Mais tu ne mets pas de poisson. Je reviens. Oui, continue. Oui. Vous achetez le poisson fumé. Oui. De je combien? Dis de 250 francs. Ah je lance ce défi. Non, non, non. D'accord. Vous voulez manger poisson, vous voulez manger quoi? Il reste combien? 750. Ça, même non, continuons. Je vous dis que je suis un cuistot. Non, c'est faux. Même le Mbunga n'est pas là-dedans. C'est parce que vous allez là où il n'y a pas la boue au marché, vous ne voulez pas vous salir. Vous venez faire le marché au Carrefour, dites que vous voulez quoi? Le taxi que tu allais prendre. Le taxi sur quoi? Une vraie femme va à pied. C'est comme si tu allais au champ chercher à manger. Laissez-moi toutes les grandes dames là. Je vous dis que madame. Il ne faut plus arrêter. Panier de la ménagère est hyper son panier est percé, hyper... ça dépend de quel panier il va avoir au marché. Si tu veux avoir un gros panier avec parce un petit peu de parce que pour cuisiner, c'est pas évident. Donc, pour cuisiner avec 3000, il faudrait au préalable avoir l'huile. L'huile à la maison, oui. Quelle si huile? Tu as vous voulez préparer avec deux. Et que tu prennes un demi-kilo de viande ou bien le poisson, demi allons sur le poisson, 1000 francs. Demi-kilo de viande. C'est dans les, non, demi-kilo, c'est dans les 2000 épices. C'est vous qui envoyez les sommes. 1 kilo, c'est 2800, 3000. Oui. Voilà, si tu prends demi-kilo, ça fait 1500. Ça de fait 1700 par là parce que là. Vous envoyez les hommes voler, vous les femmes. Ouais. Ton mari, tu 100 000 francs, tu as 3 000 francs chaque fois du mois. Chaque jour, ça fait 90 000 francs le mois. Vous dites que tu ne peux pas, vous avez 3 000 francs. Ça, c'est quel gros cœur que vous avez. Vous voulez. Oui, mais ça dépend de personne. Ça dépend. Combien de personnes tu as l'orphelinat. Le problème, c'est que. Mais Pinto, ça peut être possible dans la mesure où le mari, à la fin, même là, ça ne sera pas possible. Qui donne les 90 000 si tu achètes un carton d'huile, un sac de sel, parce que c'est toujours important d'acheter un sac de sel, c'est pas cher, hein. C'est dans les 2800. Et puis, un carton d'huile, non, pour te gérer tout le mois ou deux mois. Oui. Une bouteille d'huile pour une femme normale qui fait cuisine, c'est une 1600. Bouteille d'huile, même qui coûte 1500, 1600 francs, tu peux faire au moins deux semaines avec. Une bouteille avec une bouteille d'huile. Oui. Ah, vous faites la cuisine comment? On va faire frire les poissons avec l'huile. L'huile, c'est fait pour stabiliser seulement la soupe. L'huile, c'est fait pour stabiliser la soupe, pour qu'elle ne doit pas enfler, elle ne doit pas gonfler. L'huile, c'est pour stabiliser la non, soupe. Non, le truc, c'est qu'il y a des fritures. Il y a, ça dépend du type de repas que je tu veux. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Mais merci, si moi, je vous assure que c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de femmes ne vont pas trouver mariage. Pourquoi? À cause de la duration. D'accord. Si on vous donne 3 000 francs, je dis bien, on vous donne 3 000 francs. Même si c'est que tu vas faire le riz sauce d'arachide, même le riz cantonné, tu peux acheter des carottes de 100 francs, haricots verts de 100 francs, poivrons de 50, poireaux de 50, mélange de condiments de 50 francs. Vous achetez 2 kilos de riz, je vous assure, et quelques tomates, 2 tomates en sachet. Non, moi je vous assure, vous faites du riz cantonné et c'est mieux que de manger de la viande. Oui, le problème, c'est que on est d'accord. Ça peut arriver parce que même les femmes avec 2000 francs, elles réussissent à concorder quelque chose. Mais ça ne doit pas être une habitude parce qu'on est d'accord que 3000 ne peut rien faire. Les carottes ont leur place, la viande à sa place, le poisson également. Si vous habituez un enfant à consommer que la viande de plus. Et sa naissance, en il fait, va s'habituer à lui. Les fruits. Ça pique, c'est un homme qui a de on l'argent. On augmente son salaire. On augmente son salaire. De la dame demande qu'il augmente aussi la ration. Et tu conseilles qu'il. En fait, il ne doit même pas augmenter la ration en Europe. Je vais vous dire pourquoi ne pas augmenter. Parce que si le manque, chaque fois qu'on augmente au bureau, vous augmentez la maison. La maison, ce n'est pas un ministère. Je vais vous dire le pourquoi. Si vous augmentez le salaire, la ration alimentaire, il faudrait que l'argent qu'on augmente son salaire, ça te permet d'économiser et pouvoir soit acheter une parcelle de terre, soit pouvoir économiser pour envoyer les enfants à l'école. Le temps que tu auras la parcelle, tu seras de mourir avant. Pourquoi les 3 000 francs ne vous tuez pas depuis? Vous ne mourrez pas avec la ration de 3 000 francs et 2 000 francs depuis. C'est qu'on augmente le salaire que ça va maintenant vous tuer. Non, moi je pense que quand Dieu te bénit, tu vois, quand ton niveau de vie augmente, il y a un statut qui va avec. Oui. C'est-à-dire, on ne te dit pas de tout dépenser dans la nourriture, mais au moins, il faut comprendre que l'époque où on utilisait 3000, c'est qu'on serrait les ceintures parce qu'il n'y avait pas. Maintenant que Dieu a donné, bon, il y a des femmes qui rationnent 1 million par jour. Ce n'est pas la race. Merci encore d'avoir été à temps elle-même directement. Affronter une situation. Fais que chacun apporte sa pierre. Nous te demandons sur. Si tu veux, je te donne 5 000 francs. Je prends 5 000 francs. Dis, achetons, faisons un repas pour 10 personnes. Je suis sûr que tu ne vas pas réussir. Mais moi, je vais nourrir 13 personnes avec les 5 000 francs. Oui, ça dépend de ce que tu veux donner aux gens. Que ça soit poulet. Je vous lance le défi que ça soit poulet. J'achète le poulet de 3 000 francs. Je dis, écoute, j'achète poulet de 3 000 francs. Même avec 5 000, tu manges poulet avec plantain. Tu achètes poulet de 3 000 francs, tu restes 2 000 francs.
tu achètes condiments, y compris avec tomates. Condiments de combien? Non, dis, allons-y, condiments de combien? Mélange de condiments avec tomates à 500 francs. Je lance d'accord, cette dépêche. Il reste 1500 francs. D'accord. Tu achètes le riz de 500, planté riz de 500 francs. Il reste 1000 francs. Tu achètes un demi-kilo de sucre. Tu achètes le lobisap de 300 francs. Ça fait combien? Le 500, il reste 500. 500. Tu achètes maintenant de la vanille. Oui. Tu achètes le pot d'ananas. Et tu fais le jus de fruits. Non, mais attends, Pinto. Donc tu cuisines sans huile. Pardon? Dorez-y tout. Lorsque tu fais le poulet, tu fais bouillir du poulet, il y a une huile qui sort. Pour 13 personnes. Avec l'huile. Oh. Ouais, dorez-y tout. Il y a une huile qui sort au-dessus là, du poulet. Le panier de la ménagère. Oui. C'est vous qui êtes chiés dans la tête. Passé, même avec deux... Vous êtes chiés dans votre tête. Tu ne veux pas manger quoi? Vous voulez manger viande? Vous faites l'élevage de bœuf chez vous? Vous ne faites pas l'élevage. Celui qui veut manger viande de bœuf, il a qu'à élever un bœuf chez lui. Celui qui veut manger préfère l'élevage de bœuf. Heureusement que tu as compris. D'accord, merci beaucoup. Pinto l'Ivoirien, on te remercie. Et on salue toutes ces braves dames qui, au quotidien, essayent de nourrir leur petite famille parce que c'est pas évident. Et même ces hommes qui rationnent au quotidien, c'est vrai que c'est pas évident. Même avec 5 000, c'est compliqué. Avec 3 000, c'est compliqué. Mais avec 1 000 francs, les femmes essayent de se débrouiller. Mais on va pas essayer tous les jours. Il y a des moments où il est important de proposer la